Eh bien bonjour à tous, c'est Castelix et on se retrouve sur Warframe pour vous présenter les Akjagara qui sont sortis cette nuit sur l'update 15.13. Et oui, donc comme vous pouvez les voir sur l'écran, elles sont plutôt jolies. Elles font penser un peu aux Redeemer, du coup c'est un peu dans les mêmes styles, hein, voilà. Voilà, donc moi j'ai pas changé les couleurs parce que c'est un petit oubli de ma part. Mais du coup voilà, donc je vais vous faire voir les petites stats rapidement. Sachant qu'elle part déjà de base avec 20% de statut, avec très peu de critiques aussi. Enfin, très peu de critiques, voilà. Je vais pas dire aussi parce que le statut 20% c'est pas trop mal. Puisque là vous voyez que l'arme n'est même pas modée et que je suis déjà. Enfin, modée, il n'y a pas de format dessus. Et on est déjà à 81,3% de statut. Par contre, et là où je vais pousser mon gros coup de gueule, c'est ce putain de craft de merde pour les avoir. Et ça, je vais vous expliquer. C'est franchement n'importe quoi. Je sais pas ce qu'ils ont fait à ce moment-là, mais alors là, moi, je veux, là, voilà, j'ai été colère pour vous, pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir les acheter, mais qui vont avoir de la peine à crafter, parce que c'est simple. Pour avoir les Akjagara, il va vous falloir les Akbolto et les Dual Scana, pardon. Mais pour avoir les Akbolto, il va vous falloir deux latos. Et donc un lato pour chaque bolto, donc il va falloir déjà crafter le lato, enfin deux latos, ensuite deux bolto, et voilà, et là vous pourrez déjà à partir de là commencer à pouvoir les avoir. Dual Scana, 7 Orokinsel, enfin voilà, on va où là, faut arrêter, c'est vraiment un grand n'importe quoi parce que le mec il va pas attendre, enfin le mec ou la fille, enfin voilà, la personne va pas attendre une semaine pour pouvoir jouer avec ces armes là. Donc il y a un moment faut arrêter, on dirait que c'est même pire qu'une Warframe là. Donc c'est bon quoi. Donc du coup voilà, je voulais pousser mon coup de gueule parce que ça c'est franchement, je sais pas ce qui leur aurait passé par la tête, mais là voilà, c'est vraiment pas cool du tout. Voilà. Donc ben, je vais vous faire voir. Désolé, c'était mon petit coup de gueule. C'est vrai que je gueule rarement, je crois même que j'ai jamais gueulé, mais là, il y a un moment, faut arrêter quoi. On se demande si c'est pas à pousser les gens à les acheter par les platines. Clairement quoi, hein, parce que le mec qui a pas de patience, bah évidemment il va pas attendre déjà que 12 heures de craft ou 24 heures c'est long. Bah, alors là il vous fallait 4 jours là, c'est pas possible. Donc du coup voilà, donc on arrive un peu sur le build. Bon, un build basique, vraiment très basique puisque bon j'ai pas eu le temps de les formats. Donc vous voyez, on est à 80,3% en statut. En viral, on est à 1129. Du coup, la cadence de tir 13,3. Bon, les chances de critique, comme vous voyez, c'est 5%. Donc c'est pas très très haut, hein. On a un chargeur de 24, donc ça part vite aussi. La précision, effectivement, vu qu'il y a du recul, et vous le verrez dans le gameplay, ben, la précision n'est pas forcément top. Hein. On a un rechargement de 2,3 secondes. Eh bien écoutez, moi je vous dis à tout de suite sur Sheshura. Voilà, je vais vous faire voir un petit peu un gameplay sur Sheshura. Et vous pourrez voir, vous pourrez vous donner un petit avis de ces armes-là. Malgré la difficulté du craft pour les avoir, quoi. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis à tout de suite. Et donc nous voici sur Sheshura. Et oui, donc on va commencer la première vague avec les Akjagara. Voilà, donc le bruit est assez marrant, moi je trouve, hein. On dirait qu'on est en train de lancer des pétards. Allez! Voilà. Hop là. Bon, évidemment, le viral passe tranquillement. Hop! Donc ouais, donc bon, ça part vite, hein, 24 balles, voilà, ça part super vite quoi, c'est pour ça. Bon après, peut-être pas forcément agrandir le chargeur, mais bon déjà là j'ai augmenté la cadence de tir puisque j'ai déluge mortel, mais après bon voilà. Elles sont pas franchement mauvaises, hein, mais bon après c'est vrai que par exemple on a le gamma corsinoïde, bah on reste au gamma corsinoïde. Ça
Et ça, c'est logique. Hein. Donc, bon, après, ce sera à vous de juger, à vous de voir. Et puis, bon, moi, je builderai quand même, hein, mais après, voilà, c'est clairement. Vu le nombre de choses qu'il faut, parce qu'en plus, il faut 7 cellules au Rockin, il faut patati patata, il faut un dual scanna, bon, voilà. Pour le craft qu'il y a, l'attente qu'il y a pour les avoir, même s'il y a de l'XP à prendre par rapport à votre mastery, faut pas exagérer quoi, faut vraiment pas exagérer. Ils auraient pu quand même mettre un truc plus simple pour pouvoir les avoir quoi. Bon après voilà, c'est comme ça mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pas cool, je sais pas ce qui leur est arrivé pour qu'on puisse crafter autant pour avoir une arme quoi. Ils se sont fait un kiff. Ça ramouille un peu hein, je dois être sur une connexion assez space. Voilà, alors on va clairement purifier tout ça. Voilà. Tiens, oh oui, t'as bien crié. Mon pauvre petit. Ouh, tu es triste. Allez. Allez, venez. Ouh. Oui, je te comprends. Ça fait mal. Ça fait mal, le viral. Allez, oh là, il y a une Messa, là, ça rigole plus. La Messa est chaude. Voilà. Apprends-toi ça. Voilà, fais-toi plaisir. Oula, pas gentil. Clac. Bonjour. Et voilà. On n'en parle plus. Oh, ah oui, alors aussi, petite nouveauté. Enfin, petite nouveauté. Il y a pas mal de nouveautés, puisqu'il y a une nouvelle quête, etc. Mais. Petite nouveauté, petite nouvelle qui va pas vous faire sourire. Ils nous ont divisé l'expérience syndicat, comme vous avez pu le voir. Donc du coup, moi qui étais à 38 000 journaliers, et ben, je suis passé à 19 000, sans compter les missions. Hein. Donc du coup, voilà, ça aussi, c'est quand même un peu abusé, c'est franchement n'importe quoi. Parce que même s'ils ont rajouté, même si les missions sont un peu plus hautes dans les missions syndicat, on y perd quand même. Donc du coup, c'est franchement déjà c'est très long. Par exemple, moi qui veux toutes les Siandala des syndicats, je suis en train de remonter d'autres syndicats pour justement pour les avoir. Alors c'est en plus, alors déjà que c'est très long, mais alors si en plus ils nous le divisent par deux, c'est nawak, comme on dit. Voilà. Donc eh bien, écoutez, on arrive sur la dernière vague. Hop là, tu m'as loupé mon petit. Tiens, voilà. Ah, je ne veux plus te voir. Allez, il n'y en a pas d'autres. Est-ce que c'est bientôt Pâques? Je distribuais les œufs en chocolat. Enfin, c'est dans deux mois, bref, mais n'importe quoi. Bon, alors lui se fait désirer au fond là-bas, on va aller voir où il est. Non, mais non, pas quand j'arrive que tu le tues. Oh, c'était le mien celui-là. Oui, bah, tu peux frimer. Allez, nous on se retrouve dans le vaisseau et je vous refais voir ces petites armes. A tout de suite. Et nous voilà de retour sur les Ak Jagara. Donc, je vous les refais voir rapidement. Hop là, voilà. Voilà, voilà, oh oui. Donc, ouais, le skin est vraiment très joli. Voilà, c'est très beau. Et donc, bah, du coup, quand on voit un peu les stats, donc là, évidemment, elles sont un peu plus élevées, puisque j'ai rajouté des mods dessus. Mais voilà, donc, de base, vous partez avec 20% de statut, donc c'est pas négligeable, puisque, bon, bah, là, sans format, on arrive déjà à plus de 80%. On est à 1129 de viral. Les critiques sont assez basses, donc bon, autant pas les privilégier, autant privilégier vraiment le statut sur vos éléments combinés. Voilà, donc on a quand même du recul, hein, vous l'avez vu dans le gameplay, on a quand même du recul, la précision n'est pas non plus forcément trop au rendez-vous. Après voilà, vous de voir si vous voulez mettre des mods aussi pour augmenter la précision, etc.
sachant qu'il y a du recul, voilà. Ou alors, dans ces cas-là, on met un mode pour limiter le recul, ça peut nous aider. Voilà, et eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, pour pouvoir voir un petit peu ce que c'est que les algues Jagara. Malheureusement, elles sont très longues à crafter, et ça c'est le gros 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 point noir pour ces armes-là, puisque c'est pas non plus les armes exceptionnelles, et du coup voilà, on n'a pas besoin d'attendre 5 jours pour, ou 6 jours pour avoir des armes, pour crafter des armes quoi. C'est même pire qu'une Warframe à la limite. Voilà. Allez, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt, c'était Castelix, ciao ciao!